Bonjour, je suis Marie-Ève Bibeau, enseignante de français, et cette année, j'ai participé avec mes élèves de 4e secondaire au volet poésie du concours littéraire. Ce fut une expérience formidable pour mes élèves parce qu'on a eu l'occasion de rencontrer une poète dans la classe. On a aussi eu l'occasion d'aller marcher dans le Vieux-Québec afin de prendre des photos du patrimoine et on a également écrit nos poèmes. Notre projet de poésie a commencé avec la rencontre d'une poète nommée Caroline. Bonjour, mon nom est Caroline Fouché, je suis comédienne et poétesse et c'est possible de m'inviter dans les classes pour venir donner des ateliers de poésie avec vos jeunes. Dans ces ateliers-là, souvent ce qu'on fait, c'est qu'on jase de poésie, on déconstruit les clichés aussi de qu'est-ce que la poésie contemporaine, qu'est-ce qui se fait, c'est-à-dire tout, et qu'est-ce qui est un cliché, au-delà de quelle convention est-ce qu'on peut aller? Ce qui m'a particulièrement plu dans le volet poésie, c'est que les élèves doivent écrire un poème pour participer au concours littéraire, mais ils doivent associer ce poème-là à une photographie pour participer au concours photo de Capture ton patrimoine organisé par Action Patrimoine. Donc c'est un double défi, l'écriture et la prise d'image. On a ensuite dû se promener dans les alentours de notre école pour choisir un patrimoine. Nous sommes allés à l'extérieur pour prendre des photos de certains patrimoines culturels pour s'inspirer. Moi, la photo que j'ai prise, c'est un bâtiment plutôt connu sur Grande Allée, qui est en construction, mais qui est en plus en attente de construction. J'ai pris une photo d'un vieux bâtiment sur la rue des Franciscains. Moi, j'ai pris une photo du clocher de l'église qui est dans le Vieux-Québec. Et moi, la photo que j'ai décidé de prendre, c'est l'Hôtel Dieu de Québec. J'ai pris la photo sur les plaines d'Abraham ou le chapiteau. J'ai pris les portes de Saint-Jean. Je trouve que c'est une activité assez plaisante. Puis j'aimais ça. Je savais pas que j'aimais autant ça la photographie. Matin de ouf, moi qui dévore mon bol de céréales au Lucky Charms, mon frère est déjà en train de s'habiller. La lourde pression des banquises qui s'écroulent sur la neige fraîche, nos sentiments... J'ai souvent cru voir en eux ma tombe. On dit que le cœur a ses raisons et que chaque âme a sa maison. Les paysages sont désolés, pourtant les hommes n'ont pas d'excuses. C'est difficile à croire que ces petites barres de métal soutiennent toutes ces charges lourdes, mais bon, c'est pas pour rien qu'elles sont en acier, non. Je défile dans les rues sombres, le clocher de l'église me réveille. Je sors de ma tête et je regarde l'église. Dans ma tête, la part de sombre se disperse et laisse place à la lumière et mon esprit s'apaise. Je comprends les vieillards maintenant, on s'inquiète toujours pour les autres. Concentrons-nous sur nos petites mains, nos petites jambes, nos petits cœurs. La ceinture fléchée, pointant le chemin que nous devons faire. Je recommande à tous mes collègues enseignants et enseignantes de français de participer au volet poésie du concours littéraire. C'est une occasion de donner de la place à la créativité dans notre cours. C'est aussi une occasion de connaître nos élèves différemment, donc pour leur talent en photographie, par exemple. Et aussi, ben, c'est une occasion parfaite pour leur montrer que la poésie, finalement, c'est pas compliqué et ça permet vraiment là, de s'exprimer. Et je pense qu'en contexte pandémique, ça a fait du bien à tout le monde. Je pense que la poésie, c'est un moyen peut-être d'exprimer ses émotions sans nécessairement les dire. Donc pour moi, la poésie est une très bonne façon de s'exprimer et de jouer avec les mots. Pour moi, la poésie n'a pas de frontières. Je pense que c'est une façon de s'exprimer qui peut être plus facile, nous créer des images, qui nous fait comprendre les choses d'un autre point de vue. C'est qu'il n'y a pas vraiment de règles. Puis pour moi, la poésie, c'est la diversité dans le langage.